Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Ici Wookie 88 pour YouTube et... Oups. Excusez-moi. Et donc, je disais oui pour YouTube et Dr. Chewie, Mr. Wookie pour Twitch. Dr. Chewie pour vous servir. J'espère que vous allez bien. Moi, bon, ça va. Ça va. Bon, toujours les mêmes soucis, mais bon, c'est pas trop un problème, on va dire. On se retrouve sur SnowRunner parce que j'avais testé Garry's Mod Poudlard RP, mais bon, trop de trucs à retenir et puis perso je passe plus de temps à attendre les cours à côté des salles parce que je me paume dans le truc, donc voilà quoi. On était sur quoi déjà? Je sais déjà plus. Ah oui, je voulais aller. Je voulais aller à. Je sais plus où. Ben si, je sais où, mais je sais plus pourquoi faire. Bon, sûrement que c'est pour... comment ça s'appelle je crois que c'est parce qu'il y a une remorque là-bas, ou j'en sais rien. Enfin, j'avais pas été exploré, donc... autant le faire, hein. Grosse remorque à livrer, ça je m'en rappelle, puisque j'ai amené le boire sur place. La remorque XXL là, qu'il faut livrer au port, il me semble. Oui, c'est au port, c'est pas il me semble, c'est au port qu'il faut la livrer. Puisque oui, j'étais parti sur la deuxième map où qu'il faut aller choper la remorque. À Perpète la Galette et puis l'amener ailleurs. Bah, au port aussi d'ailleurs. pourquoi que je vais dans l'eau, moi? Il y a une route juste à côté. Ça, c'est quoi? C'est le truc de la montagne, hein, il me semble. Ouais. Ah non. Oui, de toute manière. C'est du truc dans le compte à rebours, c'est mort. Et c'est pas avec celui-là que je vais pouvoir faire de la vitesse. Hein. Certes, il est bien parce qu'il passe quasiment partout. Quasiment tous les terrains, il a aucun problème. Mais niveau de rapidité, bah, il y a mieux. Bon, c'est vrai que niveau autonomie réservoir... Y'a de quoi? Crotch. Bon, c'est vrai que quand il n'y a pas de boue, il trace un peu plus vite quand même. Oui, il y avait une remorque, c'est ce qui me semblait. Mais bon, c'est pas spécialement une remorque super intéressante. Hop, voilà. Alors, voyons voir. Où est-ce qu'on n'a pas été exploré? On a exploré tous les chemins par là. Ah oui, il y a un truc là à faire. Ok, je suis à 50 km. Bon, je vais tâcher de récupérer la remorque. Comme il y a le magasin de remorque et le truc pas loin. Hop. Hop.
Hop. Hop. Ce sera un peu plus précis. Hop. Voilà. Ensuite, direction le orque. Retour sur les pas. Hop. Je crois que le machin là, il faut partir par là, il me semble. Ah mince, je peux pas la récupérer celle-là. C'est pas une tractée. Ben non, je peux pas. Je ne peux pas la récupérer. Bon, on va faire le plein. Hop. Ouais, on prend pas la clé, hein, non. Je pourrais la choper au treuil, mais bon. Bon, oui. On va la tenter au treuil. Bah, comme je dis, il y a peu de chances que je revienne ici. Autant l'embarquer, hein. Bon, c'est pas tellement logique, hein, mais bon. Ça risque d'être un peu long, hein, le chemin, mais bon, on va voir, hein. Voilà, on l'a remise sur ses roues. Bon, peut-être pas pour longtemps, mais bon. Bon, je la laisserai à côté parce que comme elle n'est pas attelée au véhicule, je pourrais pas la revendre. Donc je la laisserai à côté de... Comment ça s'appelle? À côté du magasin de remorque. Et puis dès que je viendrai avec un camion, avec un attelage bas, bah, je l'attellerai et puis je la revendrai. Après le yard, je pense que je la laisserai aussi près du port. Parce que j'en ai... Il me semble que j'en aurais pas d'utilité dans l'immédiat, donc bon, je pourrais le récupérer, mais bon. Si j'en aurais peut-être des utilités par la suite pour aller récupérer toutes les petites remorques qui traînent à droite à gauche. Oui, remarquez, on peut faire ça, hein, récupérer toutes les remorques qui traînent, les débarrasser, et puis ensuite. S'occuper de la XXL pour finir. Je verrai bien. Pour le moment, on se dépatouille comme on peut. Un coup de vitesse lente, même si j'aime pas ça. Ouais, c'est un peu plus rapide. Il peine un peu moins en vitesse normale qu'en vitesse lente. Heureusement que c'est du jeu, parce que je te dis pas, là, avec une vraie remorque dans le cas comme ça, ça ferait longtemps que j'aurais perdu tout le carburant sur la route. Hein. Puis que j'aurais éclaté les béquilles, hein, ainsi que les essieux, je pense. Hein.
À chaque fois quand j'entends le début de cette chanson, j'ai toujours l'impression que c'est le générique d'une série que j'aime bien qui passe en ce moment, Astrid et Raphaël. C'est quasiment le même générique de début. Les premières les notes de début. Hop. Patine. Hop, vitesse lente. Allez. Allez. Hop, vitesse normale. Par contre, je l'aime un peu moins la musique là. On va peut-être la changer un petit peu. Laisser un petit peu celle-là. Bon, celle-là, je connais pas. Donc, j'espère que ça va pas me strike sur YouTube. Ah, je vais plutôt mettre une musique que je suis sûr qu'il n'y a pas de strike parce que. Comme c'est une musique qui dure 3 heures, ça. Si je la laisse tourner pendant les 3 heures et puis que les 3 quarts de la vidéo est strikée, non merci. Oh bah tiens, du Lofi. Hop, un peu de Lofi. Ben, alors, 120 mètres. Hein, le petit bug, on voit les phares au travers de la remorque. Hey, te barre pas la remorque. Ça m'a la remorque. Son camion, elle va plus vite que mon véhicule. Bon, ça va quand elle est sur ses roues, même si les béquilles, elles frottent, c'est pas grave. Mais c'est dès le moment qu'elle se couche. Là, il y a beaucoup plus de résistance à tracter. Ce qui est logique dans un sens. Même en IRL, hein, une remorque, elle est sur ses roues, ben on peut la tracter, mais dès le moment qu'elle est sur le côté, ben c'est mort. Bon, là, c'est pas mort puisqu'on peut la tracter, mais je veux dire que si une remorque se couche sur le côté, c'est plus la peine de penser pour la tracter. Hein. Ah purée, le poteau il va me bloquer. Tirer une remorque là-dedans, c'est pas l'idéal parce que c'est pas vraiment fait pour les camions. Hein. Ben, dans ce jeu, aucune route n'est faite pour les camions.
Ah! Ouais, donc comme je disais tout à l'heure, je voulais streamer du Garry's Mod Poudlard RP de Monsieur Nino Misclick, enfin le serveur. Mais comme je disais, il y a trop de commandes de mots-clés à retenir. Il y a trop de spécificités à faire, comme quand on balance un sort, faut le marquer dans le chat, enfin voilà quoi. Je crois qu'on peut aussi le dire à haute voix, mais... Puis bon, il y a aussi les touches à retenir. Bon, il n'y a pas des millions de touches, hein, mais... Puis bon, comme il y a une partie du menu qui est en anglais, bah c'est plus difficile parce que, bon, vous connaissez mon amour pour l'anglais, hein. Ça serait que de moi, c'est une langue que je bannirais. Oh, tu voudrais bien t'en remettre sur tes roues, toi Voilà, merci. Que ce soit un peu plus facile à te tirer, quoi. Enfin, à te tracter, plutôt. Non, à te tirer. Oui, tirer le treuil, oui. Ah bon, on est arrivé au port, déjà. Ah bon. Bon, on va tâcher de pas rouler trop vite pour éviter qu'elle se refoute encore par terre. Ça sera plus simple, j'aurai pas de manœuvre à faire au treuil pour la remettre sur ses 4 roues. Non. Sur ses 6 roues. 12 roues. Ouais, enfin sur ses roues, quoi. Super bien rangé. Voilà. C'est bon. Elle est bien rangée là. Alors, ensuite, allez voir le machin qu'il faut amener, je ne sais plus où. Ou c'est un véhicule qu'on débloque pour notre poire, je sais plus non plus. Vous voyez, comme vous avez pu le voir, ça fait un bout de temps que j'ai pu jouer à SnowRunner. Je m'étais remis pour faire un live, et puis un ou deux lives, je sais déjà plus. Et puis j'ai arrêté pendant une semaine, je crois. Je sais plus. Je sais plus, faudra voir les différences de publication. C'est un camion à livrer, je crois. Les gens ici parlent, j'ai besoin de vos services. Un gars de la région de Noir a quitté la ville avec sa famille, oui, c'est ça. Hop. La seule difficulté, ça va être sur le pont parce qu'il y a un arbre en plein milieu de la route. Mais autrement, c'est tout.
Allez, viens ici, toi. Hop. Let's go. Here we go. Ok, je sors. Bon, au moins, il a de l'essence, le gars. Il a abandonné son véhicule en me laissant de l'essence dedans. Ça sera un peu plus simple à tracter. Bon, toi, le sapin, tu vas passer sous mes roues, hein. Crouch. Oh la vache. On m'a dit de le livrer, le camion, hein. On m'a pas dit de l'amener en parfait état, hein. Je peux pas le récupérer là. Je suis passé, c'est bon. Je vais lui ramener son camion, il va être fracassé en 18 morceaux le truc. Bon, dans le pire des cas, je peux toujours réparer avant de lui rendre. Hein. C'est pas trop un problème, hein. J'ai les pièces sur celui-là. Un araquois sauvage apparaît. Je me demande si on a moins de sous en le livrant abîmé. Puis c'est bon, comme c'est pas une partie normale, que c'est une partie personnalisée en NG+, donc parce que la quête elle est de combien? Euh, 2250. Au revoir. Hop, 2250. Non, c'est bon. Il y a qu'une maison, il y a un panneau au port. Le gars, comme si le gars, il savait pas que le port est dans la direction, là. Alors, des remorques à récupérer. Semi-remorque à carburant. Semi-remorque carburant. Bah, je crois que toutes les remorques sont récupérées au final, non? Bah oui, il me semble. Points là, non, bon, c'est bon, toutes les remorques sont ramenées en fait, donc il me faudrait juste un camion pour aller jusqu'au port. Ah, j'ai aussi le conteneur dans la rivière là, à les valider. Thank you.
Bon, je sais pas où est la route. Hop, on se la fait nous-mêmes. Bah, je crois que là, voilà la route en fait, non? Non, ça me paraît un peu trop arbusté. Arbré. Ah là, voilà. Bah si, c'était bien par là, mais bon. Me connaissant, j'aurais bien mis encore 10 minutes à sortir des arbres, hein. Déjà là, il n'y a qu'un seul arbre, et puis je trouve encore le moyen de me planter dessus. Bah non, il n'y en a pas qu'un, mais il n'y en a qu'un sur mon chemin, quoi. Sur la route, pile à l'endroit que je veux prendre. Non mais oh! Ouais, bon, hop. Hop, on va passer par là. Tant pis, c'est un peu merdique à passer, mais c'est pas grave. Puisque c'est le chemin que je passe avec le... que je vais passer avec la XXL. Mais pour éviter de m'embourber, il faut pas passer au milieu où il y a de la grosse bouillasse. Faut pas passer à côté où il y a un peu de bouillasse, faut esquiver en passant légèrement dans la forêt. Ça, je m'en rappelle. Normalement, c'est là qu'il faut tourner. Voilà. Et passer par ici, il me semble. Ah non, c'est par derrière la... Cela c'est encore pire que la bouillasse qu'il y a. Je crois que c'est par là qu'il faut passer. Enfin, avec le XXL, hein, je te parle. Bon, il me semble... Bon, c'est pas là. C'est là. Faut passer entre l'arbre et la pierre. Ensuite, passer là. Et passer là. Pour reprendre le chemin là. Qui est beaucoup plus calme après pour aller reprendre la route. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Pouah. Déjà, on va pas manger de la neige, hein. Hop, bonjour, je viens juste accepter une quête. Hop, merci bien. Au revoir. Conteneur dans la rivière, à mon avis, il va me falloir donc un camion avec une grue. Aïe, mais je peux. C'est soit le camion avec une grue et un bac, soit le camion avec l'attelage bas. Bon, on va devoir prendre le camion à attelage bas, je pense. Quoique, on va peut-être faire le conteneur, je crois que c'est le plus proche à faire. Enfin, dans les deux cas, de toute manière, c'est la même chose. Faut que je change forcément de camion, parce qu'il y en a un, ça sera la grue et le bac, et l'autre, ça sera juste l'attelage. À moins de prendre carrément le colob, qui peut faire les deux en même temps. Qui peut faire l'attelage bas, le bac de deux, la grue... Je sais même pas le conteneur. Si, ça aussi, c'est les machins de. Les conteneurs de fret, il me semble. Qui prennent deux places. Hop. Voyons voir. Livrer les conteneurs de fret au port.
Ouais, c'est les deux. Donc, Gru avec Bach. Oui, est-ce que je peux le modifier pour faire tout? Alors, là, actuellement, il a le... À moins que je prenne le bac de 2, la grue et l'attelage. Ça c'est le 3, ça c'est le 4, ouais il me faut le 2, c'est bien ce que j'avais pris, hop, la grue, grue lourde, non, blue sideboard, nope, et où ma grue? Board de 3. Voilà l'Atlas. Hop. Et l'Atlas bas. Hop. Voilà. Et une remorque de 2. Tout simplement. Voilà. Nickel. Alors, donc, il faut aller choper les conteneurs. Ouais, donc, je me perds. Je suis tout le temps en train de me perdre. Donc, ici, on laissera la remorque. Ensuite, on va choper un conteneur, on le ramène ici sur la remorque. Aïe! C'est vrai que j'avais oublié qu'il était long, mon bordel. Parce qu'à chaque fois quand je passe par le petit raccourci là je me paume, je me coince dans les arbres et puis ben ça croit la bannière après pour s'en sortir. Donc, je préfère faire un détour qui est pas super super énorme hein, faut se le dire hein. Mais je préfère faire un petit détour pour puis ne pas me coincer. Donc j'ai dit qu'on lâchait la remorque ici. Hop. Détacher remorque, voilà. On va choper les deux conteneurs. Enfin, conteneur et conteneur. Hein,
faire deux allers-retours, hein. Sapro sauvage apparaît. Mais bon, allez hop, hein. On plie les cargaisons. Hop. réinitialiser les grues, voilà. Maintenant, on va choper le deuxième. Hop, bon, on s'en fout que... soit écrabouillé le truc. Hop, voilà. On fait ça à la chacal. Faire. Ouais, ça va pas le faire. Hein. Bon, il commence déjà à faire nuit. Voilà. Ah bah oui, si je suis au point mort, c'est sûr que je vais pouvoir reculer, moi. Thank you.
fait à la schlag, hein. Ah, il est pas efficace celui-là avec la petite grue là. Ce qui est pas super comme comme grue, je sais pas trop. Ah non, l'Atlas justement, c'est à mieux. Elle est déjà moins buggée, elle est déjà moins merdique que la jaune ou la bleue. En petite grue que je parle, hein, pas en grue lourde. Hein. Alors, tac, toc. Voilà. Perdu la cargaison. C'est bon, on sait jamais, hein. Vu des fois comment que je conduis. Enfin, vu comment que je conduis. Pas vu des fois comment je conduis. C'est bon, j'ai une conduite assez cauchemardesque, on va dire. Non, je sais plus le mot. Bon, je sais plus quoi faire d'homme. Enfin, une conduite cauchemardesque. Bah non, j'ai pas une conduite aussi terrible que ça quand même. Catastrophique. Vu la conduite catastrophique que j'ai. Des fois. Parce que c'est pas tout le temps. Bonjour, je vous amène deux containers qui traînaient. D'ailleurs, je sais pas comment vous êtes démerdé pour les perdre là-bas, mais bon. Hop. Voilà, maintenant on va se débarrasser de cette remorque. Sur place. Hop. Voilà. Ensuite, on chope celle-là. Bien que tu t'accroches. Merci. Bah. Je peux pas accrocher ou quoi? Pourtant j'ai bien mis la lâche bas, non? Je pense que le camion n'est pas apte. Oh,
je vais tester l'autre. Bah, il peut pas y prendre. Ah, merde alors. Normalement, ça te lâche pas là. Chercher quelle est la remorque qui va avec quel truc. Hein. Attendez, y'a pas un souci là? J'avais deux des remorques. J'ai dû supprimer l'autre sans faire attention, parce que j'étais le plus proche. Parce que là, était où? Je l'ai récupéré de là, il me semble. Non, de là-bas. Oui, il est plus. Ok. Ok, d'accord, pas de soucis. Ok. Le colob à la maison, je vais pas le récupérer parce que j'ai pas envie de me le mettre en pénitence, surtout que là maintenant à part après les petits trucs là, après la grosse remorque, c'est d'autres convois normaux qui restent à faire, donc il y en a certains, ils risquent d'être élevés en quantité, donc je préfère éviter de me mettre le plus gros véhicule que j'ai en punition. Ben non, j'ai plus gros, j'ai le titanium qui peut avoir 8 places. Mais bon, c'est un peu gros quand même. Puis il avance pas le truc. Encore pire que le colob.
Déjà, on va lui virer la grue, lui virer l'attelage, lui virer la rambarde et lui mettre la toute grande, la 4 places. Bon, de toute manière, il peut en tracter une deuxième, hein, des remorques, donc... Un cocon bœuf sauvage apparaît. Bon, c'est vrai que j'en ai pas spécialement besoin des grues, hein, mais... Mince. Oh bah je l'ai déjà. Bon bah tant pis. Hein. Et bien sûr, c'est parce que j'ai fait la faute que je vais l'avoir le bestiau là. Alors que quand j'ai dû le capturer, le cocon baf, j'ai dû m'y reprendre à 3 apparitions pour l'avoir. Ah oui, j'ai fait catch avant de faire check. Crouch. Bon, la Lofi là, elle est pas... Je vais supprimer mes raccourcis parce qu'elle est pas super, hein. Celle-là, on l'a déjà écoutée. Epic Battle Music, là, tout est en... Tout est en live. C'est quoi ce bordel? On voit une. Hop. Voilà, qu'est-ce que je disais? Le masque, le bestiau, je l'ai attrapé. Ouf. À mon avis, il vaut mieux pas trop se croiser sur la route là. Il n'y a pas tellement de place. Hein. Hop, ben voilà. Alors, customisation. Clac, sans vire. Hop. Voilà. Voilà. Alors, on va livrer la remorque XXL. Et je suppose, et au port. Hein. La livraison de forage là. Ah, c'est au site de forage. Ah bon?
Oh. Ah, je peux pas la faire encore. Ah bah si, je suis con. C'est pas l'arme, c'est pas celui-là. Voilà, foreuse. Voilà, semi-remorque pétrolier. Voilà. Allez, let's go. C'est parti pour les cargaisons que beaucoup n'aiment pas trop faire. C'est justement, c'est du maus. Moi perso, au début, c'est vrai, c'était pareil. Il y avait de la maus, l'armorque maus. Je téléphonais aux copains. Je disais, t'as dit, t'as quelques minutes? Bah oui, pourquoi? Il y a une XXL. Ok, j'arrive. Le copain il venait, bon il habite pas loin. Il venait, il faisait la livraison et puis il repartait. Il me dit t'en as une autre? Oui mais j'ai pas encore déverrouillé. Ah, bah plus tard. Bon par contre là je passe par ici, c'est risqué. Bon c'est vrai que le camion que j'ai là il est quand même bien stable. Mais c'est plus la remorque qui m'inquiète. Voilà. Pour passer là, il faut un peu risquer de se casser la binette en bas. C'est vrai que la plupart du temps, je passe par le détour qui passe, qui fait un arc de cercle. C'est un petit peu plus long, mais bon. Enfin, quand j'ai pas de camion modé, hein, je précise. Parce que quand c'est des camions modés, généralement, bon, je m'occupe pas trop des routes que je prends. Quoique, quand même, si je fais quand même attention malgré tout. Bon, par contre, là, c'est mort, je passe pas au milieu. Hein. C'est même avec le camion là, déjà à vide, il a tendance à s'embourber. Alors avec un méga poids lourd au derche, c'est mort. Voilà, on suit les traces de pas que j'ai faites, les traces de pas. Les traces de roue que j'ai fait tout à l'heure avec le yard. Voilà. Bon. On écrabouille les arbres, hein, tant pis. Voilà. C'est bon, on est sorti de l'embrouille. C'est vrai que le bois, il est vraiment pété hein, pour faire ça. Certes, il a pas subi. Bon, il est rapide quand même, mais c'est vrai qu'il a la puissance de traction celui-là. C'est qui aussi? C'est aussi les boires de base du jeu qui ont une bonne traction, une bonne puissance de traction. Certes, ils n'ont pas une super rapidité, les boires du jeu. Loin de là même. Ils sont même un peu. Hein, voilà. On va pas dire le mot, hein? Mais vous m'avez compris. Je vous ai compris. Ah non, c'est pas le même. En tout cas, j'ai remarqué
tout à l'heure quand j'ai rangé le colob, il m'en manque certains des camions. À mon avis, ils ont dû bugger quand les mods ont été supprimés. Enfin non, pas les mods supprimés, mais je veux dire le... Oh la vache, le PC quand il a été changé. Disque dur, pardon. Qui a été changé, donc à mon avis, ça a dû perdre à cause de ça. Mais bon, pas grave. Ça fait un peu de nettoyage dans le garage d'ailleurs. Hop. Voilà. Mais Forest Flotant, Blackbird est content à 100%. Peut-être que maintenant mon patron va me laisser tranquille. C'est tout pour le moment. Et j'ai eu un succès, manger, dormir, rouler. Je sais pas si c'est vu sur le live. Non. Tiens, tant que j'y suis, est-ce qu'il n'y a pas des fois une quête à faire? Comme ça, j'ai pas besoin de repartir forcément. Alors, livrer à montagne, baril de pétrole. Ok, non. Rivière de montagne. Alors, livrer au site d'entretien des barils de pétrole qui ne sont pas à portée de main. L'usine, le centre de service. Ok, bon, les barils de pétrole, faut les choper forcément au site de forage. Donc il faut aller au site de forage. Ensuite, revenir ici avec une remorque et deux barils. Pour les livrer là-haut. Repartir au site de forage. Et revenir ici pour livrer les deux autres. Bon, il faut des pièces de forage, les choper ici pour les livrer là-haut. Ok, alors livrer à Vallée Blanche, non, pour le moment, je m'occupe uniquement d'ici. Livrer à la base polaire. 4 briques, donc il me faut 4, 5, 6, 7, 8. Donc il faut par exemple deux fois le colob. Alors carburant x2, on peut les prendre ici. Donc le mieux c'est du garage jusqu'ici quoi. Non, les troncs, c'est en tout dernier, ça. Conteneur de fret. Et tuyau moyen. Ok. Conteneur de fret au site de forage. Des carburants, il faudra en prendre deux pour les livrer au port. Bon, ça on peut le faire. Il suffit de choper une remorque ici. Comme ça, on n'aura pas besoin de faire 50 000 km. Hein. Hop. Une remorque de deux. D'accord, il n'y a que deux roues qui touchent. Bon, peu importe.
Après demi-tour. Hop, voilà. Un snowball sauvage apparaît. Je ne l'ai pas. Wow, 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 wow. Je suis un petit peu parti en chouquette là. Il a beau avoir des roues de neige, vaut mieux éviter de marcher, n'importe quoi, de rouler dans la neige haute quand même, si possible, dit-il, alors que 200 mètres plus loin, il va dedans. Hein, on s'en fout. Bonjour, il me faudrait deux carburants, merci, au revoir. Bon, on va faire la livraison là. Ensuite, on dégage la remorque, on ramène le camion au garage. Et j'arrêterai l'enregistrement. Je mettrai la pause. Ensuite, je relance l'enregistrement. Bon, c'est vrai que même des formats de 3 heures, c'est un peu long quand même. J'ai essayé de carrément faire des petits formats d'une heure et quelques. Hein, bon, ça fera plus de upload à faire, mais c'est pas trop grave. Comme c'est des petits formats, justement, ça sera moins long aussi. Et puis, s'il y a une musique qui est strike, ben, ça sera moins long de la traiter sur une vidéo d'une heure que sur une vidéo de 3 heures. N'est-il pas? Oh purée, je suis parti en schlit là. J'ai bien maîtrisé le truc. Enfin, je suppose. C'est à vous de me le dire d'ailleurs. Je vais peut-être m'en refaire à un autre déboire. Ah bah non, je crois que j'en ai déjà un avec Bac et Gru. Il me semble. Hop, allez, filez-moi mon oseille. Faudrait que je vérifie si j'en ai un deuxième. Oui, j'en ai un deuxième. Et je crois qu'il est déjà fait. Donc, vérifier juste son attelage. C'est un attelage bas que je lui ai mis. Non, c'est l'attelage haut qu'il a lui.
faudrait un attelage, un boire avec attelage bas. Et mettre une remorque longue de singe en attelage, en athlète. Comme ça, je pourrais peut-être même mettre une grue en plus. Ça pourrait être utile. Ouais, on va faire ça après en rentrant. Lui restera en attelage haut. Oh. Wow, wow, wow. Ah oui, j'ai deux places dedans. Mais on doit être un peu étroit, hein, je pense. Ça n'a pas l'air d'être grande la cabine. Salut Momo. Ah bah t'arrives au moment que j'allais faire ma petite pause du quart d'heure là. Wow, 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 calme, 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 calme le Wookie, calmos. Mais qu'est-ce qui part de traviole, ce bazar là? Il a picolé mon camion quoi, je lui ai mis du diesel ou quoi? Enfin, du sans-plomb. Oui, parce qu'il tourne déjà au gasoil ce truc, enfin je suppose. À moins que ça tourne au kérosène, mais je pense pas. C'est pas le même style de moteur, hein. Quoique je vais peut-être modifier celui-là. Non, je vais le laisser tel que, j'en rachète un autre. Hop, voilà. Alors, concessionnaire. Oh, si je me refaisais un Pacifique, tiens. Hop. Custo, moteur. Alors, il a un C12 T28. Wop, hop. Boîte de vitesse. Speed automatique. Hop, on va mettre cette boîte. Suspension active. Non. On va mettre les suspensions incassables. Pneus. Chaîne. 55 pouces. Bon, on va lui mettre les gros barres d'ouf là. Treuil, on s'en fout. Bloc diff, c'est bon. Route secours, on s'en secoue. Moi, j'aime bien le bleu. J'aime bien celui-là aussi. Hop, voilà. Hop. Alors, module châssis. Il lui faut un bac. Non. Une grue basique, hein. On n'a pas une autre des fois. Ah, il y a celle-là. Et un attelage bas. Voilà. Par soleil. Elle. On va mettre des modes flap. Souplis.
pare-choc. Oh tiens, celui-là. Hop. Divers. Double balise surélevée. Voilà. Échappement. On va lui mettre les petits marmots, les petites bestiaux là. Hop. Ah, la grue, elle se colore pas. Oh tiens, ça lui va bien. Un bobalette, est-ce que je peux mettre le Rex? Non. On va mettre celle-là, voilà. Voilà. Et une remorque de 5 attelés. Oui, attelés. Non. Je veux une toute simple. Enfin, c'est pas que je veux une toute simple, mais. x5, ouais, mais c'est une Mahou, c'est moche. Ça, c'est une 4. C'est un peu élevé quand même. On va voir s'il n'y a pas une 5. Une 5, voilà. Mais j'aimerais bien en bac. Une 5 en bac. Nickel. Voilà. Parfait. Voilà. Comme ça, on est paré. Hop. Voilà. Donc, je vais faire l'outro, mais je mets la pause Twitch. Voilà. Et puis on se retrouve d'ici un quart d'heure sur Twitch. D'accord? Alors, et ben. Pas plein de bonnes choses de fait. Hein. on a un petit peu avancé. On a fait quelques petites livraisons. On a fait la grosse XXL. Donc ça va pour une petite, c'est pas mal. Il est l'heure de dire au revoir et à plus tard. Hein, et à tout de suite, hein, bien sûr, hein, comme j'ai dit pour Twitch. C'était Dr. Chewie et Mr. Wookie, ainsi que Wookie88, pardon. J'espère que ça vous a plu. Bon, ouais, comme je dis, un petit format, ça sera le mieux. N'hésitez pas à commenter, vous abonner, le pousser à la cloche, ou me rejoindre sur Discord et Twitch. Les liens sont dans la description. Sur ce, le Dr. Chewie vous dit à ciao babouille. Bisous.